Dans cette vidéo, je vais te montrer comment enregistrer une image dans Photopea. Alors, admettons que j'ai déjà ajouté mon image et j'ai déjà effectué des modifications, puis j'ai terminé et que maintenant je souhaite enregistrer ceci. Alors, pour enregistrer une image dans Photopea, c'est facile. Ce que vous allez faire, c'est venir cliquer ici sur Fichier. Et là, maintenant, vous allez voir ici les différentes options qui vont vous permettre d'enregistrer votre image sur Photopea. Alors, ce qui vous intéresse ici, c'est l'option Export As. Alors, ici, vous allez retrouver les différents formats qui vont vous permettre d'enregistrer votre image. Alors, si vous cliquez ici sur Moi, vous allez retrouver les autres extensions ou encore les autres formats d'enregistrement. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est prendre l'option PNG. Nous allons cliquer dessus. Et là, rapidement, vous allez voir une nouvelle fenêtre comme ceci. Et là, vous pouvez voir le rendu. Alors, ici, vous avez la possibilité de renommer votre fichier. Par exemple, ce que je vais faire ici, c'est entrée test. Et là, vous pouvez regarder encore une fois de plus le format et choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, ce que je vais faire ici, c'est prendre du PNG. Alors, ici, nous avons la largeur et la hauteur qui est de 1280 et 720 pixels. Alors, vous pouvez une fois de plus changer ceci à votre guise et mettre ce qui vous convient. Alors, moi, dans mon cas, je vais prendre du pixel. Et là, la qualité sera à 100%, comme vous pouvez constater. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est cliquer sur Save. OK. Et là, vous pouvez voir que je viens de lancer le téléchargement. Alors, c'est terminé. Pour retrouver ceci, ce que vous allez faire, c'est aller dans votre PC. Et là, vous allez aller dans le fichier téléchargement, comme ceci. Et là, vous pouvez constater que j'ai bel et bien enregistré ou encore téléchargé mon image venant de Photopea.